Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, je vais vous montrer comment dessiner des yeux. Donc, premièrement, je vous montrerai comment dessiner un œil de fille et ensuite comment dessiner un œil de garçon. On commence par l'œil de fille. Le dessin se fait en trois étapes. Première étape, on va dessiner le contour de l'œil. Donc pour ça, vous allez faire un arc de cercle. Gardez bien en tête que lorsqu'on dessine l'œil d'une fille, on fait des traits fins. Voilà. Après, vous revenez un peu sur vos pas. Comme ça. Et maintenant, on a la base de l'œil. Vous pouvez commencer à dessiner un petit sourcil. Et on va faire le blanc de l'œil. Alors, vous faites un cercle de forme bien arrondie pour que ce soit bien réaliste. Et la partie la plus délicate, ce sera l'intérieur de l'œil avec la pupille et les reflets. Donc, la pupille, on va la faire en haut à droite. Encore une fois, vous faites une pupille bien ronde, avec des traits plus épais vers le bas. Une fois la pupille faite, vous pouvez cribouiller à l'intérieur et estomper avec votre pouce le crayon. Voilà. Donc je vais faire des traits plus épais, ça se verra mieux. Maintenant, vous pouvez faire des reflets à l'intérieur de l'œil, les reflets du soleil. Ça va le rendre plus réaliste. Comme ça. Donc ça, c'était pour l'œil de fille. Je vais maintenant passer à l'œil du garçon. Pour les yeux de garçon, les traits sont beaucoup plus épais. Alors on commence, encore une fois, ça se fait en trois étapes. On commence par dessiner la base de l'œil. Donc vous faites un gros trait bien épais vers le bas. Ensuite, vous allez faire un arc de cercle. L'arc de cercle commencera au même niveau là où a commencé notre trait du bas, c'est-à-dire ici, et il se terminera un peu plus loin que notre trait, là. Vous faites un arc de cercle bien arrondi, encore une fois avec des traits bien épais, la même épaisseur que ce que vous avez fait à la base de l'œil. Comme ceci. Bon, maintenant on va dessiner le blanc de l'œil. Donc le cercle du blanc de l'œil commencera au milieu de du haut de l'œil et terminera au milieu de la base de l'œil. Donc vous faites un arc de cercle comme celui-là. Avec les traits toujours bien épais. Voilà. Donc là, l'œil est prêt. On va pouvoir dessiner un petit des sourcils. Et maintenant, encore une fois, la partie la plus délicate, ce sera la pupille. Donc la pupille, on va la faire cette fois-ci un peu plus ovale. Encore une fois, vous cribouillez à l'intérieur et vous estompez avec votre doigt.
Et toujours, on va faire des reflets dans l'œil qui le rendront plus réaliste. Comme ceci. Voilà. Donc là, l'œil de garçon est terminé. Donc voilà, j'espère que ces techniques vous seront utiles. Vous pouvez bien sûr intégrer bon, les yeux dans un visage. Donc là, je suis en train de dessiner un visage de garçon. Donc je mets les yeux de garçon, comme on vient de le voir. Vous pouvez dessiner des visages féminins et utiliser ces yeux-là. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Je vous remercie et à bientôt sur netprof.fr pour d'autres cours. Au revoir.